Et bonjour YouTube et bienvenue pour cet épisode spécial avec la présentation de plusieurs YouTubeurs francophones qui mettent de l'avant du contenu de Formule 1 spécialement sur le jeu F1 24. Tout d'abord, ceci n'est pas un top 10, j'ai juste envie de vous présenter différentes chaînes qui méritent d'être connues ou encore qui pourraient grandir énormément avec votre support en vous abonnant. Avant de commencer, je vous invite à aller voir mes propres séries avec J'en ai marre et Calivrogne sur F1 24. Abonnez-vous et si vous aimez les séries, les vidéos, le pouce bleu n'est pas de refus, c'est gratuit, ça fait plaisir. Merci pour vos encouragements. Je démarre avec un YouTuber qui ne fait que grandir, NonoFlight. Pour F1 24, il nous introduit aux différentes mises à jour et donne des conseils pour les débutants. Avec plus de 4000 abonnés, il devient de plus en plus une référence en Formule 1. Il fait aussi du multigaming pendant des lives comme sur Minecraft ou War Thunder. Si vous êtes nouveau à F1 24, je t'encourage fortement à aller t'y abonner. Le second nom est devenu un bon compagnon à moi, soit GeoGame. Tout comme ma chaîne, il aime bien créer des histoires en lien avec la Formule 1. Cette année, il a démarré sa série avec Ariel Lombardi et Williams. Les efforts dans la réalisation de ces vidéos-là, ils méritent d'être soulignés. Et avec bientôt 700 abonnés et plusieurs autres séries de multigaming, il ne peut qu'être apprécié par les fans de Formule 1 et de YouTube. Ensuite, voici MF7. Près de 3000 abonnés et il a également du contenu diversifié. Pour F1 24, il a décidé d'entamer une série carrière avec le français Théo Pourchaire. Ne manquez pas cette belle fiction avec Alpine. Il joue sur PlayStation 5 et réalise d'excellents montages. Va voir sa chaîne, là, ça vaut vraiment le détour. Le quatrième est nul autre que Tonton Tribi qui devrait atteindre les 1000 abonnés dès l'été 2024, en fait très prochainement. Lui aussi crée une série avec le mode carrière et alpine. Il divise ses vidéos avec les qualifications et la course, ça fait de quoi de très intéressant, c'est très bien fait. Agréable présentation et tout comme moi, son personnage a un nom particulier, soit Pierre Laroche, oui c'est un bon jeu de mots. Je poursuis avec Cobra Gaming, plus de 1000 abonnés. Il réalise une belle série F1 24 avec le mode My Team. Ses vidéos s'écoutent très bien et je vous invite à aller parcourir sa chaîne, surtout parce qu'il y a d'autres vidéos qu'il propose comme GTA 5 ou du football européen. Ça vaut la peine d'aller voir justement ce qu'il peut produire. Comme sixième YouTuber, j'y vais avec Bosco, chaîne qui est très jeune mais qui mérite d'être connue avec sa série My Team. Il est également connu par GeoGame. Donc je vous encourage à suivre sa série qui est personnellement travaillée. Il ajoute énormément de détails à chacune de ses courses. Il a des graphiques très impressionnants, très réalistes. Je vous le recommande fortement. Le suivant, eh bien, il s'appelle AlexGaming59. Il a dépassé les 100 abonnés. Il présente principalement des lives où il joue sur F1 24 en direct. Puis après ça, on peut revoir la vidéo. Il a opté pour Pierre Gasly comme pilote en mode carrière. Et eh bien, c'est important de partager du bon contenu. Et c'est ce qu'il fait. Comme huitième et dernière chaîne officielle, j'y vais avec Citax. Son équipe travaille très fort pour nous offrir du contenu de qualité. Sa série F1 RP est tout simplement impressionnante. C'est à aller voir. Reste à savoir ce qu'il nous fera pour F1 24, alors qu'il nous prévoit justement du contenu dès la mi-juillet. Bref, j'aimerais également faire quelques mentions honorables et vous inviter à aller voir ces chaînes qui pourraient vous plaire et qui méritent d'être connues, des chaînes dont les liens vont être dans la description, tout comme les autres chaînes précédentes. Il y a Exot, il y a Benjamin5954, il y a Julioro, il y a MegaGamer qui exceptionnellement est un anglophone, du moins il commente en anglais. Il y a aussi Fanfaron. Bref, je suis leur progression depuis plusieurs mois, voire années. Et évidemment, je les encourage dans leur aventure YouTube et je vous invite à aller les encourager de même. Donc, vous avez un total de 13 chaînes YouTube. Je vous recommande de vous abonner à toutes ces chaînes, évidemment, à liker leurs vidéos, à découvrir leurs créations, à les encourager. C'est gratuit. Et sur ce, c'est votre animateur Cornet qui vous remercie et qui vous invite à visionner des séries d'ailleurs de My Team, de Kelly Evrogne et la carrière de J'en ai marre sur F1 24. Je suis un des seuls YouTubeurs québécois à avoir du contenu sur F1 24, je crois. D'ailleurs, si vous en connaissez, écrivez leur nom, leur chaîne en commentaire. Il me fera un plaisir de les découvrir. Sur ce, ciao ciao les Cornets!